C'est bon. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Attends, ça n'est pas lancé. Ah. Ah si, c'est bon. Oui, donc, ça coule. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous retrouvons aujourd'hui pour une émission du Pouvoir des idées qui portera le 8e épisode de cette série qui renie ses cendres, j'ai envie de dire. La dernière émission a plus de 2 ans. C'était avant que tu partes à Poitiers. Ouais, donc c'était il y a au moins 3 ans. Voilà. Donc ça commence à dater. Entre-temps, tu es arrivé à Paris et tu t'es marié. Tout va bien. Ouais. C'est, entre autres. Voilà. Nouvelle émission sur la révolution conservatrice allemande pendant la période de la République de Weimar. Alors, la République de Weimar, on va peut-être faire juste un point historique, si je veux voilà, faire. Contextualisation. C'est globalement cette période qui va suivre la chute de l'Empire allemand, avec la fuite de Guillaume II aux Pays-Bas. Oui. Et donc, il va en fait négocier la paix avec les Alliés. Mmh. Et va. C'est 1918. Je ne me souviens jamais qui l'entente et qui la triple alliance. La triple entente, c'est de mémoire, la triple entente, c'est les empires centraux. Donc c'est Allemagne-Autriche. Allemagne-Autriche-Italie. Ouais. Et la triple alliance, c'est France, Angleterre, Russie. Ouais, ok. Donc il y a une défaite. Alors oui, si on compare de loin, donc vous avez donc. Alors on va repartir en fait du début, j'ai envie de dire. En 1870, lorsque la France s'est battue en 2 semaines, globalement, par l'Allemagne. Ça a été assez rapide. Si vous voulez, je vous conseille d'aller voir la chaîne Sur le Champ, qui est une chaîne historique qui fait de la vulgarisation de concepts militaires, en prenant des batailles comme exemple, et qui se sert de ces éléments pour donc faire aussi au passage de la contextualisation historique, qui a fait toute une série de vidéos sur les batailles de la fin du 19e siècle, donc notamment la bataille de Sadowa et en 1866 entre l'Empire autrichien et l'Empire allemand et le futur Empire allemand, la Prusse, et ensuite en 1870 entre l'Alliance allemande et la France, donc la bataille de Sedan, qui va donc amener à la capitulation de Sedan par l'empereur le 2 novembre 1870, si ma mémoire est bonne, ce qui amène le 4 novembre 1870 à la proclamation par Gambetta de la Troisième République, ce qui ensuite va négocier avec les Allemands l'armistice et puis la paix. La paire de 3 départements, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle. Exactement. Et l'encerclement de Paris. Il y a aussi ça à prendre en compte, puisque en fait, c'est ce qui va amener la Commune de Paris, puisque le gouvernement, donc il va être dit Versaillais de Thiers, veut capituler le plus vite possible. Oui, et puis surtout, pour récupérer les canons de la capitale. Ouais. Ce que les Parisiens vont refuser, ce qui va amener en fait, au massacre de 2 généraux. Qui ne pourra pas être empêché par Jules Ferry et Georges Clemenceau, qui sont à l'époque amis. Jules Ferry, qui est de mémoire, qui occupe un poste à la mairie de Paris, et Georges Clemenceau, qui est maire d'un arrondissement, de l'arrondissement de Montmartre. Jules Ferry, qui avait été le dernier maire de Paris avant Chirac. Oui, voilà. À partir de la commune, il n'y aura plus de maire c'est de ça, Paris. C'est ça, en fait. Oui, voilà. C'est Jules Ferry et maire de Paris, et a nommé Georges Clemenceau maire de l'arrondissement de Montmartre. C'est sur la colline de Montmartre, sur la butte de Montmartre, que sont les canons. Les généraux arrivent pour récupérer les canons. La foule et une partie de l'armée vont se retourner contre eux
et vont les fusiller sans. Vont les fusiller. Et Clémenceau et Ferry arriveront trop tard pour les sauver. Ça aurait pu devenir. On le fera peut-être plus tard. On en a parlé hier. Ça aurait pu peut-être donner une alliance de politique qui aurait pu transformer la Troisième République. Au final, ça ne donnera jamais, ça n'aura jamais lieu puisque les deux ne seront jamais, ne s'entendront jamais, quasiment. Ça ira jusqu'à quel point que lorsque revenu aux affaires en 1917, Clémenceau voudra prendre dans son ministère le neveu de Jules Ferry, sa tante, donc l'ancienne femme de Jules Ferry, refusera qu'il entre dans le gouvernement. Mais voilà, il faut comprendre ce contexte parce que il faut comprendre que l'Allemagne unifiée, puisque suite à la capitulation française, Guillaume Ier va être sacré à Versailles dans la Galerie des Glaces, empereur d'Allemagne, grâce à Bismarck. Et en fait, il faut comprendre que un peu dans la mythologie de la Troisième République, le poids de l'Allemagne dans la création de la République est assez important. Mais c'est une création sur une défaite. Oui, mais évidemment. Avec en plus la France mutilée de trois départements. Exactement. Ce qui donne d'ailleurs la volonté revancharde, oui, très forte, de la classe politique de la Troisième République, au premier rang desquels, Georges Clemenceau, qui deviendra le père de la victoire, mais qui est d'abord le père revanchard. Oui, c'est un élément structurant de toute une partie de la droite, très longtemps. Oui, pas de la droite et d'une partie de la gauche républicaine. Il y a une partie de la gauche, notamment autour de Ferry, qui se préoccupe plus de la question coloniale. Mm-hmm. Mais, ou autour de Jaurès, qui se préoccupe de la question sociale. Des questions sociales. Et vous avez une partie de la droite et une partie radicale autour de Clémenceau, qui fait un peu la jonction d'ailleurs entre la gauche de Ferry et la gauche de Jaurès. Vous avez un peu Clémenceau qui est le pivot de ces deux gauches, qui au final sont plus des revanchards que soit des colonisateurs, soit des socialistes. On arrive donc à la guerre de 14, qui va être marquée par la défaite allemande. La capitulation et donc le départ, enfin l'exil de Guillaume II, le fils de Guillaume Ier. Le traité de Versailles. Le traité de Versailles en 1919, on passe très près d'une réouverture du conflit, on l'oublie toujours, mais par exemple Foch est très très déçu des concessions qui sont faites par Clémenceau, notamment à l'Allemagne. Alors, je vous invite à aller regarder une carte de l'Empire allemand en 1914 et de l'Empire allemand en 1919, en 1920, pour comprendre à quel point il pouvait y avoir un esprit de revanche chez certains militaires. Parce que les concessions... Un truc tout bête, ils perdent la Prusse. Mais ils perdent le cœur entre historique de l'Allemagne. C'est ça. De l'Allemagne politique. Bah en tout cas, de l'Allemagne unifiée. De l'Allemagne plurimilitaire impériale. Il perd la Prusse orientale qui devient polonaise. C'est ça. Et c'est la Prusse. D'où le fait qu'en 1940. C'est l'unité allemande. Ça, mais d'où le fait qu'en 1939-40, les Allemands s'allieront aux Russes pour dépecer la Pologne. Hum. Question polonaise est importante. Je rappelle juste au passage. Que s'il y a un royaume qui s'est fait démembrer en 1919, ce n'est pas l'Allemagne. C'est l'Autriche. Non. Ah. Bah non. Alors en 1919. Bah non, c'est l'Hongrie. Il y a l'Empire d'Autriche et le Royaume d'Hongrie. L'Empire d'Autriche, effectivement, perd un certain nombre de territoires, mais reste relativement sur son cœur historique. Il reste sur le cœur historique. Le Royaume d'Hongrie reste globalement sur son cœur historique. Hein, faut pas dire. Voilà, mais bon, il perd, je crois, 66% de son territoire en 1919.
Ça fait une partie. Voilà, ça fait une grosse partie. Donc, on a une défaite allemande. Qui amène. Qui est très vécue de manière comme une humiliation pour l'Allemagne. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'en 1914, enfin, pardon, en 1918, pas un allié n'a posé le pied en Allemagne. L'Allemagne perd la guerre sans avoir perdu. À domicile. Enfin, en fait, sans avoir été envahi par les troupes alliées. À la différence, par exemple, de 1870, où les Français, enfin, Paris est tombé, à la différence de 1800, alors, des guerres napoléoniennes, où à chaque fois il y a une prise de la capitale ennemie, on pourrait rapprocher ça d'une certaine manière, même si l'exemple n'est pas non plus forcément très pertinent, mais de la guerre austro-prussienne de 1866, qui elle se grève dans deux mois, hein, c'est la bataille de Sadowa, et en fait, effectivement, Vienne n'est pas prise. Mais l'armée autrichienne s'est tellement fait écraser à Sadowa que globalement, la question se pose plus trop. Il n'y a plus d'armée. Je veux dire, c'est comme lorsque les Autrichiens sont battus à Ulm. En fait, il n'y a plus d'armée entre Vienne et Napoléon. Donc, ils sont obligés de... Je veux dire, Vienne est prise, mais parce qu'il n'y a plus personne pour se battre. Les autres, ils sont... ils se feront piler, une deuxième fois, à Austerlitz, mais parce que... Bon, tout ça nous amène au contexte de la création de la République de Weimar, qui est vécue par une bonne partie des Allemands comme un traumatisme, un double traumatisme. Déjà parce qu'il y a une défaite. Il y a une défaite qui est humiliante avec les pertes de territoire. Et il y a en plus une partie, une grosse partie de l'état-major allemand qui veut l'armistice le plus rapidement possible pour régler le péril communiste. Oui, alors, oui, parce qu'en fait, il faut aussi voir une chose, c'est que, donc, en 1917, il y a eu coup sur coup deux révolutions en Russie. Donc, la révolution de février qui va amener, alors là, je vous renvoie à la chaîne Hero.com qui a fait un certain nombre de vidéos sur la révolution, enfin, la guerre civile russe de 1917. Vous allez voir, c'est très drôle. Et ensuite, vous avez donc la révolution d'octobre, où arrivent au pouvoir les bolcheviks, et grande question pour les peuples occidentaux, enfin pour les pays occidentaux, est-ce qu'il n'y a pas en fait intérêt à se retourner tous contre la Russie communiste? Est-ce que la Russie communiste n'est pas en 1919-1920, un ennemi plus important que pourraient l'être des divergences politiques internes. D'autant que la révolution dans ce qui va devenir l'Union soviétique inspire la République des conseils en Bavière, le mouvement spartakiste, donc avec Rosa Luxembourg et. Je ne sais jamais son nom. On va avoir à la sortie de la guerre de 14 des soldats, on va dire, en rupture de banc qui vont s'engager dans les corps francs pour aller combattre le péril communiste sur la Baltique. Ernst von Salomon, dont on parlera tout à l'heure, fait partie. Non, mais typiquement, par exemple, en France, le général de Gaulle est parti en Pologne en 1919-1920. Pour aider à la reconstruction de l'armée polonaise. La Pologne était vue comme un état tampon en cas de péril rouge. Ne riez pas dans le fond, c'est vraiment ce qu'on pensait en 1919. Le 1940 montrera que l'état tampon, la théorie de l'état tampon, c'est bien à partir du moment où le tampon en question fait plus qu'une feuille de papier. Passons. Non mais oui. L'histoire de la Pologne, c'est de se faire rouler dessus par tous les pays européens à toutes les époques qui soient depuis les Mongols.
Ils ont eu leurs heures de gloire quand même. Ils ont laissé de mauvais souvenirs en Russie. Oui, mais avant. Oui, avant le Moyen-Âge. Oui, voilà. Depuis les Mongols, oui. À peu près 13-14e siècle, je veux dire, c'est devenu le paillasson de l'Europe. C'est comme la liberté d'entreprendre dans les droits fondamentaux. C'est quand tu as besoin d'établir quelqu'un, tu marches sur la liberté. Enfin, d'établir un droit, tu marches sur la liberté d'entreprendre. Tu as besoin d'établir un État, tu marches sur la Pologne. Enfin, à l'Est, t'as un problème. Ouais. Bon, là-dessus, on arrive à la République de Weimar, qui naît d'une humiliation, naît aussi d'une turbulence. Naît d'une volonté étrangère, à la différence de la Troisième République. Qui naît d'une volonté de partisans républicains forte en France, Gambetta, Ferry, etc. La République de Weimar, c'est un peu plus difficile. L'exemple typique, qui est le grand homme politique de la République de Weimar, c'est Hindenburg. Hindenburg, qui est-ce ? C'est le grand général en chef de l'armée qui a été vaincu en 18. En fait, le problème d'Hindenburg, c'est un De Gaulle perdant. Oui. Ce qui fait qu'il n'a pas non plus la légitimité qu'aura De Gaulle 40 ans après. Et le problème, c'est qu'il est continuellement dans une difficulté des républiques parlementaires de l'époque. D'une instabilité chronique des gouvernements et en plus d'une crise économique à partir de 1920, mettre par terre l'État allemand et faire que en 1933, on n'aura pas d'autre choix que de faire appel à Hitler, qui n'est pas le premier nazi à être chancelier. Pas le premier nationaliste. Comment il s'appelle déjà ? C'est Singler, je le prononce mal, hein. qui a été chancelier avant Hitler, et qui est. Il n'était peut-être pas nazi. Il était nationaliste, mais il n'était pas nazi. Alors, quand on parle de nazi, c'est vraiment le membre du NSDAP. Il y a d'autres partis concurrents, il y a Folk, Deutsche Partei, enfin, il y en a plein des groupuscules plus ou moins radicaux. Et d'ailleurs, le fait que ce soit le NSDAP qui l'ait remporté, c'était en partie sur un coup de bluff. C'était loin d'être la seule force nationaliste, c'est-à-dire le parti de Ludendorff, qui était plus conservateur, plus traditionnel, quelque part, plus prussien. Aussi, puisque Hitler est un bavarois, donc ce sera pas tout à fait les mêmes situations politiques. Alors après, ce que je voudrais faire, c'est une présentation générale de ce qu'est la révolution conservatrice allemande, okay. Voir les différentes tendances à l'intérieur d'elle, en deuxième partie, en troisième partie, les conséquences jusqu'à nos jours. Ok. Donc, on est dans le contexte de la République de Weimar. Je pense qu'on a à peu près situé la question. Une défaite, la question, le péril communiste, spartakiste en Allemagne, c'était le nom utilisé par les communistes, et en référence donc, au gladiateur Spartacus, durant la guerre servile. À l'époque romaine. Oui, à l'époque romaine. Cas où, ouais. Je précise. Ce qui caractérise ce moment-là, c'est qu'on a un monde allemand qui est très divisé. D'abord parce qu'il y a des tensions, on a une grosse inflation, crise économique extrêmement marquante et qui va être aggravée en plus par 29. Là, non seulement ils avaient toutes les réparations à payer en 18-19, à partir de 29, il va y avoir en plus la crise économique qui va être extrêmement violente en Allemagne. Et là-dessus, on a pas un parti, pas une tendance politique, plutôt une nébuleuse.
Si tu veux définir d'abord la révolution conservatrice allemande, tu dis que c'est une nébuleuse. D'abord, tout bête, ce n'est pas une autodénomination. Très peu de gens à l'époque disent « nous sommes membres d'une révolution conservatrice allemande ». Le premier à utiliser l'expression, c'est en 27. Donc, c'est même pas au tout début. C'est, que je retrouve son nom, Hugo von Hofmannsthal. C'était un écrivain. Il n'a pas forcément une grosse activité politique, lui. Et après, le nom va vraiment être utilisé par Armin Moller, qui est un universitaire suisse. Et ça va être son sujet de thèse. Mais son sujet de thèse, on est en 49, donc on est même après la Seconde Guerre mondiale. Donc, l'expression « révolution conservatrice allemande », c'est une construction a posteriori intellectuelle. Ce n'est pas quelque chose d'unifié, mais on peut déjà quand même dessiner un certain nombre de caractéristiques communes. C'est anti-libéral. C'est anti-bourgeois. Alors, on peut définir déjà par tout ce que ça n'est pas. C'est anti-libéral, anti-bourgeois, anti-communiste, anti-traité de Versailles, évidemment, anti-capitaliste et aussi quelque chose qui est extrêmement important en Allemagne. C'est anti-communiste et anti-capitaliste. Oui, c'est pour ça qu'il y a l'idée de troisième voie. Ok, d'accord. Oh, c'est pas la toute première fois qu'on parle de troisième voie entre le capitalisme et le communisme. Tu peux déjà le trouver. Bon, tu vas le trouver à peu près à la même époque. En France, ce serait l'occasion d'une autre émission, ce qu'on appelle les non-conformistes des années 30, qui sont ces intellectuels, catholiques, conservateurs, en rupture de banc de l'action française au moment où elle se fait excommunier. Là, on est... Oui. On est dans les années 20. Avant la guerre de 14, tu as aussi le cercle Proudhon, dont j'ai parlé dans l'émission sur le nationalisme, la première. Donc, la convergence entre les mouvements syndicalistes révolutionnaires de tendance anarchiste et les royalistes maurassiens. C'est quand même, durant tout le XXe siècle, il y a cette sorte de serpent de mer qui revient d'une troisième voie qui n'est ni capitaliste ni communiste, et souvent une synthèse entre les deux, une sorte de socialisme d'économie d'État, mais avec une part de liberté d'entreprendre. Ouais, ce qui sera tenté en Russie avec à la fin des années 20, quand Staline va essayer de jouer les uns contre les autres, c'est lequel des bolcheviks qui est un peu sur cette ligne-là? Alors, je ne vois pas qui tu fais référence, mais non, en fait, tu as plus simple. Tu as tout simplement la référence colbertiste. Oui. Tu as aussi, à un moment, la référence fasciste. Ça en fait partie. C'est un pré-fascisme, la révolution conservatrice allemande. Et même, d'une certaine façon, le bonapartisme et le gaullisme sont là-dedans, dans un capitalisme où l'État est très présent. Ouais, il faut se souvenir que durant toutes les années 60, donc, le gouvernement gaulliste, il y a un ministre du plan qui a pour objectif en fait de permettre à la France d'atteindre des objectifs industriels notamment par le plan. Et tu peux penser à toutes les lois sociales qu'il y a sous le Second Empire, si je vais faire pour l'hygiène, sur l'hygiène par exemple avec les grands plans espagnols. Donc c'est au cours du fin 19e, début 20e, ou même la doctrine sociale de l'Église fait partie de ces recherches d'une troisième voie, ou ce qu'on a appelé aussi le personnalisme, le corporatisme chrétien, Albert Demain, le catholicisme social, enfin toutes ces choses-là, essaye à un moment de concilier un capitalisme moins libéral, plus paternaliste, quelque part, et en même temps un socialisme moins abstrait tel qu'il est dans la doctrine marxiste. Donc c'est quelque chose qui c'est une tentative de quadrature du cercle qui est très récurrente tout au long du XXe siècle. Tu peux même voir avec l'ordolibéralisme allemand dans l'après Seconde Guerre mondiale. Donc, j'ai dit anti-libéral, anti-capitaliste, anti-communiste, anti-bourgeois, anti-traité de Versailles, anti-lumière, parce que l'Allemagne, il ne faut pas oublier que c'est le pays du romantisme par excellence.
Et le romantisme s'oppose aux lumières. C'est un anti-rationalisme. C'est l'exaltation du moi, de l'irrationalité, du rêve, des brumes. Un retour aussi à des références qui ne sont ni chrétiennes, ni bibliques, ni gréco-romaines. C'est le moment où Wagner écrit son Parsifal, son Lohengrin, les grands opéras, le cycle des Liebenmungen, où il y a la redécouverte du Parsifal de Wolfram von Eschenbach. Donc c'est un texte de poésie du XIIIe siècle qui est un élément structurant. Il y a aussi une dimension géopolitique très présente dans la révolution conservatrice allemande, qui est une opposition entre l'Est et l'Ouest. L'Ouest est vu, l'Europe de l'Ouest, l'Europe essentiellement allemande, enfin anglaise et française, essentiellement anglaise et française, est vue comme justement rationnelle. Les lumières, l'adoucissement des mœurs, la déconstruction des valeurs, le progrès, le capitalisme, l'esprit bourgeois, l'art classique, du coup qui est très logique, très rationnel, très équilibré, ce qu'ils appellent la civilisation, et ils sont contre la civilisation mais pour la culture, au sens de Kulturkampf allemand, donc le combat de la culture, ou au contraire, ils vont défendre l'idée d'une subjectivité exprimée par l'art, la défense du romantisme. Le romantisme d'ailleurs qui est le moment de l'éveil d'un nationalisme en Europe centrale et en Europe du Nord, y compris en Allemagne. L'Allemagne n'était pas un État, l'Allemagne était une civilisation, une nation avant d'être un État, c'était une multitude d'États, avec certains qui étaient absolument minuscules. Tu rajoutes à ça le fait qu'il y a cette grosse division en Allemagne très présente entre un Sud et un Ouest catholique, et un Nord et un Est. Et industriel. Et industriel. Et un Nord et un Est protestant. Dans le pays, dans l'un des pays de la naissance du protestantisme, avec Luther. Et Luther, là c'est le texte, c'est l'être prince allemand, donc il y a une dimension très nationale au protestantisme. Mais c'est dans ce. C'est suite à une. C'est suite à des troubles internes allemands, enfin allemands, dans le Saint-Empire romain germanique, ce qui sera avant la. C'est qui est une confédération antérieure aux guerres napoléoniennes, puisque le Saint-Empire disparaît en 1806, de mémoire, 1806. Oui, puisque c'est la guerre contre la Prusse, 1806. En fait, vous arrivez à la paix d'Augsbourg, donc en 1555, et j'ai bien réalisé, où en fait Charles Quint va octroyer en fait cette règle, enfin va définir ce principe qui est la religion du prince et la religion de l'État. Donc les princes protestants sont princes de territoire protestant, les princes catholiques sont princes de territoire catholique. Ce qui permet une totale uniformité. Oui. Et il y aura même des conflits, notamment avec la guerre des paysans, où certains paysans veulent se convertir au protestantisme et ça leur est refusé. Oui, ben c'est ce qui amène. Y compris par les princes protestants. Les princes protestants soutiennent les princes catholiques dans la révolte des paysans. Mais parce que, parce qu'en fait, le truc, c'est que l'idée, c'est de ne pas aller contre le principe de la paix d'Augsbourg. Alors, on a défini ce que rejetait la révolution conservatrice allemande et ce qui étaient ses vues géopolitiques, donc contre l'Ouest, pour l'Est, donc il y a un très fort tropisme vers la Russie, y compris à l'époque de la République soviétique. Une partie de la révolution conservatrice allemande accueille bien la révolution soviétique dans son anti-capitalisme et dans son anti-décadence occidentale. Ils ont d'autres petits tropismes. L'idéalisme contre le matérialisme, le vitalisme, ils sont très marqués par ce qu'on appelle le pessimisme culturel, et ils sont très marqués par l'idée de déclin de l'Occident. Alors ça, on le voit dans le bouquin qui s'appelle comme ça, le déclin de l'Occident, de Oswald Spengler, qui est l'un des philosophes les plus marquants, enfin, en tout cas les plus organiques de cette tendance, avec Nietzsche. Ils sont très marqués par la pensée de Nietzsche, notamment dans son côté anti-apollinien dionysiaque.
Et une chose qui est très marquante aussi dans la révolution conservatrice allemande et qui va amener petit à petit à ce qu'on va développer, c'est le fait qu'ils sont sur une vision non linéaire de l'histoire, du temps. Ils sont sur une vision même pas cyclique telle qu'on l'a dans les modèles traditionnels grecs et indiens, indiens d'Inde, hein, je pense à l'Ouest, donc au système des Yugas dans l'hindouisme, mais une vision sphérique. Donc l'idée, le temps est une boule et des forces peuvent l'amener dans toutes les directions. Voilà. On a, à partir de là, cinq tendances qui vont se faire. Il y en a deux sur lesquelles on va passer assez vite parce qu'elles ne sont pas doctrinalement structurées, elles sont plus dans l'action. Il y a à peu près trois qui sont très marquées, qui ont une vraie idéologie. La première tendance, et donc on passe à la deuxième partie. La première tendance intéressante, qui est plutôt un épiphénomène a posteriori dans la révolution conservatrice allemande, c'est le Landvolkbewegung. Donc c'est le mouvement de défense de la terre du peuple, qui est une révolte paysanne dans le Schleswig-Holstein. Donc le Schleswig-Holstein, c'est une petite province de l'Allemagne qui fait la frontière avec le Danemark. Oui, Va y avoir des frontières qui vont être redessinées. C'est aussi une révolte fiscale, c'est une révolte paysanne contre la modernité. Il y a un rejet de la modernité, notamment du monde industriel, dans la révolution conservatrice allemande, c'est vraiment très important. Et donc, on a tout simplement cette petite révolte paysanne. On n'a pas besoin de s'étendre bien plus là-dessus. C'est une révolte fiscale, paysanne, anti-industrielle, anti-moderniste et anti-traité de Versailles. C'est assez simple. Oui. À résumer. L'autre tendance, qui est un peu plus ancienne, c'est ce qu'on appelle le Bundische. On peut traduire ça par Ligueur. Ligueur au sens de la Ligue, L-I-G-U-E. Alors, il y a une opposition en allemand entre le Volk. Le Volk, c'est le peuple au sens racial. Le Bund, c'est plutôt la ligue, la bande, c'est un groupe de personnes qui se choisit. Là où on est dans un folk, on ne choisit pas son folk, on peut choisir son bund. Et il y a un arrière-plan un peu romantique, le romantisme est très présent là-dedans. Il y en a un arrière-plan un peu romantique parce qu'on est en plein dans l'époque de l'explosion des études indo-européennes, en linguistique, en mythologie comparée. On a l'héritage, ne serait-ce que de Jacob Grimm avec son Deutsche Mythologie, la mythologie allemande. C'est le moment où on commence à recueillir des mythes allemands et scandinaves, avec le thème du Mannerbund. Le Mannerbund, c'est la bande de soldats, qui est un truc qu'on retrouve autant dans le Marutz dans l'hindouisme que si on veut. Alors, c'est une lecture qui est biaisée parce que c'est très connoté, justement, nationalisme allemand, mais avec tout le thème des berserkers, des Svengilfargar et des Wolfenbach. Donc, c'est dans la société germanique ancienne, médiévale, du début du Moyen-Âge, donc les guerriers ours et guerriers loups, donc berserkers, guerriers ours, Wolfenar, guerrier loup, et Svengingar, guerrier sanglier. C'est lié à des rites de chasse. On le voit dans tout le thème de la chasse sauvage, la Wildwood, ce qu'on appelle la Ménia et Harlequin en français, donc les thèmes de chasse nocturne en bande. C'est quelque chose qui va, tout ce romantisme, toute cette redécouverte de cette mythologie va se matérialiser dans une pratique. Ça va te paraître bizarre quand je vais le dire, mais avec le scoutisme. Ça va devenir une sorte de scoutisme hardcore, où les mecs partent faire des voyages à 10-15, avec le couteau de quoi allumer du feu et trois tentes, et traverser toute l'Allemagne, voire jusqu'à aller avec des autorisations, évidemment, c'est des voyages d'agrément, mais jusqu'en Scandinavie, au nord de la Laponie, le
voir avec les premières caméras et essayer de faire des documentaires sur la mer Arctique. Enfin bon, il y a vraiment toute cette dimension. Et là, ça se manifeste dans ce qu'on appelle le Wandervogel, les oiseaux migrateurs, qui est donc cette espèce de scoutisme plutôt de jeunes adultes. Ça ne s'adressait pas aux enfants. Pour les jeunes adultes, un peu comme les guides ou les routiers plutôt. Les routiers. Les routiers. Parce que les guides, c'est les... Oui. Donc plutôt pour les routiers. Et avec l'idée donc d'un retour à la nature, d'un rejet de la modernité, de la ville, du monde industriel, et la volonté aussi de forger, alors je vais utiliser une expression du truc qui marche très bien, des âmes d'acier. Expression scout. Non, pas scout, expression très. Ah oui, d'accord, ok. Très révolution conservatrice. Ah, bah, ok, d'accord, parce que je. Non, pas scout, non, c'est très. Révolution conservatrice seulement, et l'idée de former une élite. Alors, au passage, cette démarche-là, elle n'est pas que dans le milieu révolution conservatrice allemande. On va le trouver, y compris à gauche, y compris dans les milieux chrétiens. Chrétien, bah, tu vas avoir les scouts. Et chrétien. Ton heure. Mais, tu vas avoir les jeunesses. Qui vont devenir la jeunesse hitlérienne, les jeunesses du parti nazi. Alors, ça arrive quand même plus tard, ça, c'est beaucoup plus vieux. C'est dès les années 10, 20. On a, alors, déjà les banques d'Orbogel. Wandervogel, ça commence dans les années 10, hein, si je ne dis pas de bêtises, alors quelqu'un pourra vérifier et le mettre en commentaire si je dis une bêtise, mais ça commence assez vite, assez rapidement, tu as ça, cette volonté de voyager, d'explorer l'Allemagne et l'Europe, de manière générale, de revenir à la nature. Bon, on n'a pas besoin de s'étendre là-dessus, parce que ça n'a pas d'énorme impact intellectuellement non plus. C'est une sorte de scoutisme mélangé à du romantisme et un goût pour la mythologie. Et la nature. Et la nature. Enfin, ce que tu dis nature, en général, ça marche bien. Oui. Pas se planter chez les sous de France. C'était gratuit. Excusez-moi. T'étais où, toi? J'ai fait les sous de France, c'était pas le chef. Bon, là, on arrive aux trois vraies tendances politiques, celles qui ont encore un impact intellectuel très fort jusqu'à nos jours. Tout tourne autour de la notion de folk. Mm-hmm. Donc de peuple, mais peuple entendu avec une connotation raciale très forte, on est en Allemagne, et entendu aussi avec une dimension mystique, spirituelle. Donc la première tendance, c'est ce qu'on appelle les folkish. Donc eux, ils sont concentrés vraiment sur la question du peuple, et c'est sans doute la plus vieille tendance, parce qu'on est dans un héritage direct du romantisme. Allemand, avec une très forte dimension ésotérique. Alors, en général, c'est des mouvements, c'est pas comme des associations ou loi 1901 où tu vas prendre ta carte. C'est plutôt des mouvements où tu es accepté par cooptation. Genre, un peu comme dans une loge maçonnique. C'est très paramaçonnique. Il y a des trucs qui s'appellent genre Germanen Orden, donc l'ordre germain. C'est beaucoup à base de Gesellschaft, donc de société. Tu rajoutes à ça les références romantiques, indo-européennes, type Thule, Frill. Il va y avoir un très fort panthéisme, un culte de la nature. Dieu assimile. Le panthéisme, c'est cette doctrine qui assimile Dieu à la nature, Dieu au monde. Va y avoir aussi une tendance très forte de paganisme germanique, tout simplement. Ça, vu tout ce que je prépare depuis le début de l'émission, je pense que ça sentait venir. Avec parfois une tendance de paganisme matriarcal qui est plutôt spécifique à l'Allemagne. Tu ne trouves pas ça peu dans les paganismes de type latin ou grec. Dans les néopaganismes de type latin ou grec, qui sont beaucoup plus sur des modèles virils, mais le goût du matriarcat est un peu plus allemand. Ce goût de la nature et de la simplicité va aussi se manifester par le végétarisme, qui est quelque chose qui revient beaucoup et qui est quand même un thème assez récurrent en Allemagne. Prends par exemple. Bernard Stoffer, l'époux de Elisabeth Nietzsche, était végétarien
et la communauté qu'il a fondée en Uruguay. Alors, l'Uruguay, à la fin du XIXe siècle, avait déclaré la guerre au Brésil, à l'Argentine, au Paraguay. Ils se sont fait démonter la gueule. Il y a eu un homme sur cinq qui est mort. 20% de la population masculine en est morte. Du coup, ils ont décidé de faciliter les règles d'immigration. Et Bernard Stauffer, à ce moment-là, il s'est dit « Ah, mais tiens, si je partais fonder une colonie aryenne pure de végétariens fans de Wagner en Uruguay. » La communauté existe toujours, au passage. Bon, ils ont beaucoup délaissé la dimension doctrinale, mais il y a un coin d'Uruguay, un peu perdu dans la pampa, où on trouve beaucoup de blonds aux yeux bleus qui parlent allemand et qui aiment bien Wagner. Oh, le résumé. C'était un résumé concis. Alors, il y a le végétarisme, notamment autour de tout un tas de théories médicales un peu absurdes autour du fait de manger trop de viande, épaissirait le sang et le chaufferait trop. Donc, c'est sur l'idée de sang liquide, enfin, fluide ou épais et chaud ou froid. Bon, on est sur les théories médicales qui sont les trucs pas top du 19e siècle. Bon, médecine du 19e siècle, hein, elle évolue entre temps. L'autre dimension auquel on ne pense pas quand on pense à l'extrême droite allemande, bon, on est dans une matrice de l'extrême droite allemande, c'est le nudisme. Ils aiment bien se promener à poil dans la nature pour justement reconnecter avec mère nature. C'est quelque chose. Alors, c'est un thème qui reste présent dans la droite ésotérique, le côté nudiste. Donc imaginez que potentiellement, les chefs du parti de la CDU sont potentiellement nudistes. Alors, il existe une photo de Angela Merkel à poil dans les années 60. Après, c'était très à la mode en Allemagne à l'époque. Il faut remettre dans le contexte. Et elle était jeune. C'était pas Mamie Merkel de maintenant. Je n'ai rien dit. Alors, il y a la dimension ésotérique, panthéiste, néo-païenne germanique, mais il y a aussi la volonté de faire un christianisme germanique. C'est le moment de la mode du thème du Christ arien. Arien avec un Y. Hein. Du Christ arien sur l'idée, oui. Notamment du il y a un jeu, une sorte de jeu, enfin, moi j'appellerais ça un jeu de mots, mais il y a une volonté de faire de la sémantique, en disant que les Galiléens sont les descendants des Galates. Les Galates, c'est ce peuple celte qui vit en Anatolie, donc dans l'actuelle Turquie. Donc. Et qui ont un lien avec les Ariens germaniques. Oui, c'est des peuples indo-européens. Oui, voilà. De toute façon, l'Anatolie, a très très longtemps, était une terre indo-européenne avec les Hittites, les Grecs, les Arméniens et les Celtes Galates. C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est la volonté de rester chrétien tout en rejetant le sémitisme. Donc, on va faire du Christ un arien. Là-dessus, il y a quelques noms que je voulais quand même citer qui sont membres de ça. Alors, il y a Hermann Wirth. Hermann Wirth, il est connu parce que c'est le fondateur de c'est l'un des fondateurs avec Heinrich Himmler de l'Anneau Nerveux. L'Anneau Nerveux, donc, c'est le centre de recherche archéologique et ésotérique durant le Troisième Reich, en concurrence avec le bureau Rosenberg, l'Amt Rosenberg, qui était le bureau sur la préhistoire, mais l'Anneau Nerveux a été un peu élargi au-delà de la préhistoire. Et les fans de Indiana Jones connaissent bien l'Anneau Nerveux, puisque c'est ces nazis-là, en fait, qui vont rechercher le Graal. C'est tout la quête du Graal d'Otto Rahn, même si lui n'en fait pas partie, mais Otto Rahn a été très vu par Heinrich Himmler. Donc, la quête du Graal, la quête aussi des tables de la loi, mais aussi la quête de l'Agartha, donc de la Terre Creuse, en passant par le Tibet, avec la recherche de Shangri-La. Le roi du monde. Parce qu'il y a tout le lien avec René Guénon aussi, qui est très lu à ce moment-là. René Guénon, Julius Evola, et même Mircea Eliade en Roumanie. Même si Mircea Eliade est beaucoup plus sérieux, hein, ça reste plus sérieux scientifiquement. Très daté en histoire des religions, mais beaucoup plus sérieux à l'époque. Le film qui fait référence, c'est 7 ans au Tibet avec Brad Pitt. Oui.
puisque c'est un assignant, le personnage de l'identification. Enfin, c'est un membre de l'anneau nerveux. Tous les éléments n'étaient pas nazis. Ouais, mais quand t'es membre de l'anneau nerveux, en général, c'était bien introduit dans le régime. Alors, je connais cette théorie, mais là... Oui, évidemment. La référence était là. Mais avant d'y arriver, non, si, il y avait quand même... non, quand t'es membre de l'anneau nerveux et que tu fais financer par le ministère ton voyage au Tibet, en général, c'est que t'es bien vu par le régime. D'autant que il y a eu, alors je ne sais pas à quel point c'est vrai, à quel point c'est délirant, mais il y a eu le truc des Tibétains membres de la SS. Il y aurait vraiment 3-4 Tibétains qui se seraient retrouvés membres de la SS. Basiquement, je vois pas pourquoi ce serait impossible. C'est pas impossible, d'autant que la SS à un moment a intégré énormément de monde. Pour un parti qui était aussi anti-slave, il y a eu vraiment la brigade, la Touriga Drona. Qui étaient donc les volontaires russes intégrés à la SS. Donc en plus, la SS, pas la Wehrmacht, donc l'unité d'élite. Donc je voulais citer quelques noms encore. Donc Guido von List, qui est l'un des pères du wotanisme, donc qui est une des tendances du paganisme germanique, qui est la tendance la plus centrée sur le Wotan, donc Odin, et qui est la plus guerrière. Par opposition avec la Satrou ou l'Odinisme, je ne sais pas tout à fait la même tendance. Bon, on ne va pas s'étendre non plus sur les 50 000 subdivisions du néopaganisme germanique, il y en a beaucoup. Alors, on a tout le contexte en plus du. L'Allemagne à l'époque est très. L'Allemagne comme l'Angleterre, un peu moins la France, mais la France quand même, est très très riche en sociétés ésotériques à l'époque. C'est le moment où on a la théosophie qui est là. Alors, la théosophie, c'est un mouvement ésotérique qui existe toujours, qui a été fondé par Elena Petrovna Blavatsky, donc, comme son nom l'indique, une Russe, qui a voyagé en Égypte, en Inde, au Mexique, qui a prétendu être initiée dans tout un tas de cercles ésotériques. René Guénon avait écrit contre elle, d'ailleurs, puisqu'il y avait des guerres, évidemment, entre les différentes tendances ésotériques, qui a été initiée spirit. Le spiritisme, c'est donc le truc de parler aux morts à travers les tables tournantes, qui là, c'est une invention française, c'est Allan Kardec. Mmh. Ça tombe être au Père Lachaise. Si vous voulez les faire tourner une tombe. C'est aussi le moment où en Autriche, en Allemagne, il y a ce qui... la théosophie, d'ailleurs, ça a des conséquences à l'époque contemporaine, parce qu'il y a une femme qui est un des membres qui est très connue maintenant, c'est Maria Montessori, qui est la fondatrice des écoles Montessori. Celle de pédagogie alternative, où on fait de la pédagogie douce, où on apprend à l'école à la vitesse des enfants. Ça, alors, il n'y a pas de lien direct, enfin, je ne m'avancerai pas jusqu'à dire qu'il y a un lien direct entre la théosophie et la pédagogie Montessori. Mais Maria Montessori en venait. De la même façon, en Allemagne, c'était développé. Après, fondamentalement, il y a peut-être moyen que tu fasses. Il y a peut-être moyen qu'en parlant aux esprits, tu arrives à tomber sur des profs compétents. Hein. Au passage, Victor Hugo aussi avait été spirit à une époque, quand il était dans mon exil à Jersey. Mm-hmm. Il voulait parler à sa fille. Oui, mais il a aussi essayé de parler à Thucydide, enfin des auteurs de l'Antiquité grecque. Bon. L'autre aussi tendance qui existe à ce moment-là, qui est une rupture de la théosophie, mais c'est l'anthroposophie. L'anthroposophie, donc, qui est le mouvement fondé par Rudolf Steiner, donc un ésotériste. La société anthroposophique existe toujours. Et donc, on est dans ce contexte-là d'effervescence ésotérique en Allemagne, en Angleterre, et un peu en France aussi, quand même. Même en Italie. En Italie, c'est le moment où on a l'éloge maçonnique néo-pythagoréenne et néo-égyptienne, qui d'ailleurs vont être une matrice du fascisme. Et vont permettre par la suite l'apparition de la loge P2. Ah, beaucoup plus tard. Plus tard, ah oui, non, mais beaucoup plus tard. Non, mais on vous en parlera à l'occasion. Enfin bon, là-dessus, on a cette effervescence ésotérique. Et le mouvement folkish est un des aspects de cette effervescence ésotérique en Allemagne. C'est loin d'être le seul, mais ça en fait partie. Là-dessus.
Ce qui va se passer, c'est que la dimension raciale va être très importante dans, la danse folkish. Notamment sous l'angle antisémite, évidemment. Quand on pense à Allemagne, années 20, années 30, la question antisémite, à un moment, elle doit être évoquée. Alors, toutes les tendances, j'ai dit que c'était une nébuleuse, donc ce n'est pas des groupes qui coopèrent les uns avec les autres. Ils sont très divisés. Puis, il y a des chrétiens germains, il y a des panthéistes, des néo-païens, des ésotéristes. Il y en a qui sont plus ou moins antisémites, dès qu'ils vont vraiment être antisémites au sens racial, mais dès qu'ils vont être, par exemple, antisémites et sionistes. En disant que le sionisme, c'est un moyen de virer les juifs. Oui, ben c'est l'une des premières propositions qui a lieu sous le régime nazi. On va virer les juifs, oui. On ne peut pas les envoyer à Madagascar. C'était une hypothèse qui avait été évoquée. Ah, pourquoi ne pas leur faire un État juif en Argentine? Aussi, c'était des choses qui avaient été évoquées. Voilà, il y a le mandat anglais en Israël, en Palestine. Pourquoi ne pas créer un État en Palestine? En tout cas, d'ailleurs, il y avait mené le groupe Lehi, qui était un groupe de ce qu'on appelle le révisionnisme sioniste. Révisionniste qui n'a rien à voir avec le révisionnisme historique de... Comment il s'appelait? Il est cité d'ailleurs. Gesso? Enfin, pas la loi Gesso, mais Florisson. Rien à voir avec Robert Florisson. Non, le révisionnisme sioniste... C'est Jabotinsky, Vladimir Jabotinsky, lui, qui veut faire un sionisme qui ne soit pas de gauche. Le sionisme, au départ, démarre à gauche. Ben, Ben-Gurion. Mais même, tout simplement, Théodore Herzl. Théodore Herzl était plutôt socialisant. Bon, on a ça, on a... alors, il y a l'influence du tout qui va se rester. C'est aussi le moment où on a Gobineau en France, on a Vacher de la Pouge. Vacher de la Pouge, qui était socialiste, est un des pères de la théorie raciale. Et Houston Chamberlain en Angleterre, mais qui était d'origine allemande. Ouais, j'aime bien ressortir ce genre de truc, c'est rigolo. À aucun moment, nous n'avons expliqué dans cette vidéo que Jules Ferry était pro-colonialiste et racialiste. Là-dessus, donc, on a la question antisémite, mais pas tous, et pas tous pour les mêmes raisons. Certains le sont uniquement sur le plan chrétien, ils veulent déjudaïser le christianisme. Certains le sont vraiment sur la question raciale dure. Certains veulent expulser les juifs le plus loin possible. On n'est pas encore à l'époque des pogroms, on est en Allemagne, on n'est pas, pas en Pologne. Là-dessus, il va y avoir une structure qui va être quand même alors, importante, il ne faut pas surestimer son importance, mais qui compte quand même, c'est à Munich, c'est la Toulée des Gesellschaft, donc de Rudolf von Sebottendorf, qui va être une sorte de caisse de résonance des thèmes folkicheux, et Hitler est passé par là. Alors, petite question, on l'abordera à chaque fois, le rapport entre chacune des tendances de la révolution française, spécialement des nazis, même celui-là, le rapport est évident. Une partie des cadres des nazis vient de la tendance folkicheux, le plus évident c'est Himmler. Oui, voilà. Himmler, pas Hitler. Hitler, il s'en foutait un peu. Il y est passé. Il y est passé, mais en fait, ça ne l'intéressait pas. Ça ne l'intéressait pas. Celui qui en est vraiment passé, c'est donc Himmler et Hermann Wirth, donc les deux fondateurs de la NNR2. Ça a été en fait très marginal. Les conséquences, enfin l'influence de la tendance folkische en dehors d'une partie de la SS et des cercles Himmler, et même une partie des mouvements néo-païens allemands vont être interdits, certains vont être envoyés en camp. Donc, il y a une partie des mecs de ces tendances néo-païennes qui vont finir en camp parce que considérés comme trop marginaux par le régime et pas assez fidèles au Reich. Oui. Il y a de ça aussi qui comptait. Et je l'ai cité tout à l'heure, quelqu'un qui va être membre, enfin qui va être proche à un moment de ces tendances folkish, mais qui va s'en éloigner, c'est Julius Evola. Julius Evola, qui est le grand penseur du fascisme ésotérique italien. Alors, quand je dis fascisme, je fais vraiment référence au contexte italien. Voilà, pour des parties, ça au fascisme, qui est un peu le terme général. Quand je dis fascisme, c'est vraiment le contexte italien, et donc Julius Evola, lui, va en être assez proche. En plus, Julius Evola, c'est un mec qui vient du dadaïsme, du futurisme, donc il a été vraiment dans une expérience artistique, qui va se mettre très impliqué dans les mouvements néo-païens, anti-chrétiens, occultistes,
il y a une dimension antichrétienne hein, dans tous ces trucs-là, qui est récurrent notamment par le nietzschéisme. Qui va s'en éloigner notamment parce qu'il est sur un paganisme plus apollinien, plus solaire que tourné vers la terre-mère. Voilà. Bon, là-dessus, on a fini sur le folkish. Je vais passer donc à la deuxième tendance importante, en tout cas encore importante intellectuellement. C'est ce que, bon, en allemand, ce qu'on appelle les jeunes conservatives, en français les jeunes conservateurs. C'est un mouvement qui a son impact, ne serait-ce que dans le vocabulaire. Toute la droite radicale allemande à partir de là va assez régulièrement utiliser le mot Jung. Alors, Jung, donc jeune, ça veut dire que c'est des mouvements de jeunesse. Ça veut dire qu'ils ont une volonté d'un renouveau propre. Alors, j'ai noté la définition du conservatisme de cette tendance, elle est de Albrecht Erich Gunther. Nous entendons par principe conservateur non la défense de ce qui était hier, mais une vie fondée sur ce qui aura toujours de la valeur. Donc c'est l'idée d'une tradition, en plus on a l'époque donc de l'ésotérisme, de la tradition primordiale avec un grand T, un T majuscule, quand on parle de tradition primordiale en ésotérisme, c'est avec un T majuscule, et donc c'est l'idée de la mise en valeur de ce qui aura toujours de la valeur. Donc on va partir sur l'honneur, le sang, la virilité, la terre, la parole donnée, des choses de ce genre-là, et le rejet, au contraire, du conservatisme petit bourgeois. C'est très anti-bourgeois, quelque chose qui revient systématiquement hein, là-dedans. Alors, eux, ils sont quand même sur une nostalgie. Alors, si les Folkischen sont sur une nostalgie du peuple primitif indo-européen dans les forêts qui fait corps avec la nature, eux, ils sont plus sur le peuple qui se réalise à travers l'État. Et l'État, dans la version non pas nationale, ils sont assez antinationalistes, ça peut paraître bizarre, mais ils sont plutôt sur l'idée impériale. Donc, l'idée de refonder un nouveau Reich, donc ça aurait été un troisième Reich, mais pas celui qui a existé historiquement, mais en tout cas un nouveau Saint-Empire romain germanique unifiant l'Europe centrale. L'idée, c'est... La différence fondamentale entre un nationalisme et un impérialisme, c'est la volonté universelle de l'impérialisme, à la différence du nationalisme. Alors, universel, là, ça se limiterait à ce qu'on appelle le Lebensraum. Donc, c'est l'Allemagne, l'Europe centrale, jusqu'à rentrer un jour en Russie. Mais ça serait en plus. Oui, ça. Bah, ça, c'est la grande Prusse, la grande, c'est oui. L'Autriche, c'est. Alors, donc, on est sur l'idée de restauration de l'Empire vilinien, une idée impériale à l'échelle continentale. Ça, c'est un thème qui est extrêmement courant dans tout ce qu'on appelle le nationalisme européen. On peut penser à Jean Thiriard, à Jean Thiriard en Belgique, à Jean Mabir, qui était sur l'Europe au son drapeau. On peut penser même donc, aux Grèces, le groupe de recherche et d'études sur la civilisation européenne. On développera un petit peu plus tard là-dessus. Mais enfin bon, c'est une idée qui est très extrêmement courante. Alors, je voulais citer quelques noms. Alors, l'un des fondateurs, c'est Armin Moller-Vandenbrück. Ce n'est pas le même que tout à l'heure. Je parle d'Armin Moller, le mec qui a fait sa thèse sur la rupture conservatrice allemande. Ça s'écrit M-O-H-L-E-R. Là, c'est Moller-Vandenbrück. M-O-E-2-L-E-R. Vandenbrück, B-R-U-C-K. On a aussi alors Edgar Jung. Alors, lui, par exemple, il a été tué pendant la nuit du long couteau. Oui. Il a été éliminé par le régime au moment où il y a le nettoyage de l'aile gauche avec les SA. Oui, surtout la remise au pas des SA. Alors, sérieuse remise au pas. On a aussi Carl Schmitt, le grand juriste Carl Schmitt, et ça se fait dans cette tendance-là. C'est une tendance qui est un peu bourgeoise aussi, un peu plus intellectuelle que les autres, moins ésotérique, moins folklorique, il y a un peu ça. Qui est un peu plus bourgeoise, un peu plus du coup vilinienne quand même, idée impériale, beaucoup de types qui viennent de la noblesse.
On a Werner Sombart, l'économiste, qui a été l'un des grands penseurs d'un socialisme germanique, qui est un socialisme non marxiste. L'idée qu'il a, c'est que chaque peuple doit avoir son propre socialisme, par opposition au socialisme universaliste marxiste. Et notamment trotskiste. Et trotskiste, mais déjà marxiste. Et le penseur qui en fait partie, que j'ai cité tout à l'heure, c'est Oswald Spengler, donc qui lui théorise le déclin. Le déclin de la civilisation, cette espèce de pessimisme, ce qu'on appelle donc pessimisme culturel. Il y a ici, et voilà, vont s'en rapprocher quand ils s'éloignent des mouvements folkish. Bon, Evola avait aussi ses côtés justement très mondains. Donc, ceci peut expliquer cela. Entre passer des soirées dans des grands salons municois, rambourgeois ou berlinois, c'est pas tout à fait la même chose qu'aller se peler le cul en forêt en évoquant un Oda autour d'un feu de camp. C'est pas le même style. C'est le pendage que t'as. Voilà. Et on en arrive à la troisième tendance qui est sans doute la plus vivante actuellement, intellectuellement, et d'ailleurs qui donne son nom, qu'on appelle les nationaux révolutionnaires. D'accord. Qui est la tendance la plus moderne, puisqu'ils sont l'idée d'acceptation de la technique et de la modernité pour l'adopter. Les folkishes le rejettent vraiment. Les young conservatives s'en préoccupent pas tant que ça, même s'ils sont plutôt contre. Les nationaux révolutionnaires, c'est vraiment l'idée de on doit prendre à bras le corps la technique et l'utiliser pour l'intérêt de la nation. Et il y a l'idée aussi du folk, de la nation ici, en marche, pas au sens de... j'ai pas fait exprès. Mais elle peut pas. En marche, à la sortie des tranchées. Là-dessus, il y aura deux tendances à l'intérieur de cette tendance nationale révolutionnaire. C'est ce qu'on appelle le nationalisme soldatique. Alors, ça porte son nom. Hein. En gros, c'est des mecs qui sortent des tranchées et qui n'ont pas envie de revenir à la vie civile. C'est des mecs qui, en sortant des tranchées de 14, vont aller péter la gueule à du gauchiste, du bolchevique sur la Baltique au sein des corps francs. Et c'est des mecs qui vont casser du rouge dans les rues assez facilement. Alors, les noms qui sont à retenir ici, c'est les deux frères Junger, Friedrich George et Ernst. Ernst qui a écrit Orage d'acier, et le terme Orage d'acier est quelque chose qui est une expression qui est souvent utilisée dans les mouvements nationaux révolutionnaires. Il y a une émission, par exemple, qui est de radio nationaliste NR, qui s'appelle comme ça. Alors lui, c'est un ancien Van der Vogel, donc il est passé par cette espèce de scoutisme hardcore, puis la Première Guerre mondiale, il a même essayé, je ne sais plus s'il a réussi ou s'il a fait, mais à 17 ans, il a fugué pour s'engager dans la Légion étrangère. Le mec voulait en découdre, quoi. Oui. Alors lui, ce qui se passe, donc il est dans ce truc très espèce de nationalisme très vieil, très prussien aussi, côté collé-monté. À côté de ça, au moment où Hitler arrive au pouvoir, il se retire totalement de la vie publique. Il ne veut pas y participer, la Gestapo a plusieurs fois fouillé sa maison. Donc, tu vois, il y a le truc où certains membres vont collaborer. Alors, quand je parlais des Jeunes conservatives, Schmitt a été membre du NSDAP. Hein. Heidegger a été proche aussi à un moment de cette tendance, il a été membre du NSDAP, quasiment, je crois, en 45, il payait sa cotise. Hein. Donc, il était dedans. Et à côté de ça, Ernst Junger, lui, n'était pas forcément très chaud sur la question. Et puis un autre nom à retenir, c'est Ernst von Salomon, qui lui a été aussi membre des corps francs de la Baltique, et son bouquin qui est assez connu là-dessus, c'est Les Réprouvés. Quelque chose qui revient, c'est qu'on a beaucoup d'artistes, d'écrivains, plus que d'hommes politiques à proprement parler là-dedans. Par exemple, quand je parle des folkish, il y a beaucoup de peintres qui sont folkishes. Oui. En même temps, le thème, la nature, le corps, bon. Il y a beaucoup d'intellectuels dans les mouvements conservatifs, il y a beaucoup d'écrivains Après, il y a beaucoup d'écrivains qui sortent de la des tranchées. Thierry Téchy, Barbus, Dorgelès, Eric Maria Remarque, Céline, sont tous passés un moment par les tranchées.
Donc, il y a ce côté, on disait hier, peut-être le passage par l'armée, à un moment, on donne envie d'écrire. Bon, et on finit avec la dernière sous-tendance à l'intérieur des nationaux révolutionnaires, donc le nationalisme soldatique, et ensuite les nationaux bolcheviques. Là, c'est sûrement Ernst Niekisch, qui, lui, ne vient pas du tout des milieux nationalistes. Il est membre de la République des Soviets de Bavière. Donc, il vient vraiment de l'extrême-gauche. Et après, les deux aussi qui en sont membres, c'est Otto et Gregor Strasser. Donc, c'est les fondateurs du Front Noir, qui sont l'aile la plus à gauche du NSDAP, donc du Parti National-Socialiste. Gregor va être assassiné et Otto va se barrer assez rapidement pour pas avoir les ennuis qu'ont eu son frère. En finissant d'ailleurs à la fin de sa vie en étant psy. Il est vraiment passé par le NSDAP tout en étant sur la tendance Front Noir, mais en faisant une apologie du sionisme comme modèle de développement, en disant le kibbutz, c'est un national-socialisme. Oui. Ça s'entend. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, je peux comprendre que ça puisse surprendre, voire choquer, mais il y a quelque chose qui n'est pas totalement absurde derrière. Ernst Niekisch, Ernst Niekisch, il n'a vraiment pas eu de bol. Il a eu des problèmes sous la République de Weimar pendant le Troisième Reich, et après il a vécu en RDA. Le mec a tout fait. Et il a été emmerdé tout le temps. Il était toujours contre. Il était contre la République de Weimar, contre le nazisme et contre le communisme. Bon, on a fait un peu le tour des grandes tendances. Donc, je rappelle, petit résumé, un petit récapitulatif. Deux tendances plutôt activistes. Le Nordvolkbewegung, donc la révolte paysanne du Schleswig-Holstein. Les Bouddhicheux, donc ce mouvement plutôt de scoutisme un peu romantique. Et puis après, trois tendances politiques qui ont des conséquences encore jusqu'à aujourd'hui, intellectuellement. Les folkicheux, donc, qui sont la tendance ésotérique, retour à la nature, nudisme, néopaganisante, occultiste, enfin, tu peux mettre beaucoup de choses là-dedans. Les néoconservatifs, qui a tendance plus retour à l'empire wilhelminien, et avec l'idée impériale, un empire sur la mythologie européenne, donc l'Europe centrale. Et ensuite, la tendance nationale révolutionnaire, qui est la plus moderne, avec d'un côté le nationalisme soldatique et de l'autre côté le nationalisme bolchevique. Bon, ça nous amène à une troisième partie. Qu'est-ce qu'il en reste de tout ça et pourquoi je voulais tellement en parler, pourquoi je tease le truc depuis 3 ans quasiment. Ah, c'est bon, ça fait rare. Alors, la tendance qui a peut-être le moins d'influence strictement politique, c'est les néo conservatives. On est plutôt sur les trucs intellectuels, donc Carl Schmitt, Spengler. Au passage, Spengler, c'est un des thèmes de la thèse de Michel Onfray. Hein? Ouais, il travaille sur. Parce que justement, il travaille sur la chuite des civilisations. Oui, oui, logique. C'est bon, il y a la phrase assez connue de Paul Valéry sur nous, civilisations, savons que nous sommes mortels. Spengler, lui, développe tout ça en beaucoup plus long et en allemand. Et il est sur l'idée, il y a eu Sumer, Akkad, Babylone, l'Égypte, la Perse, la Grèce, la Rome. L'Égypte, c'est une situation qui dure 3000 ans. Il ne reste pas grand monde encore à vénérer Ré, Amon et Osiris. Sur une situation qui est la situation la plus longue de l'histoire. Avec de l'écriture. Oui, oui, oui. Rome dure pas aussi longtemps. Rome dure 2000 ans si tu comptes Byzance. Plus. Bah oui, 2200 ans à tout casser. Ouais, c'est ça, 743 jusqu'à 1453. Donc, donc, les civilisations sont mortelles, il y a cette idée-là. Donc, c'est. Carl Schmitt qui reste. Carl Schmitt, j'ai un peu tendance à dire, c'est le Céline du droit. C'est le grand penseur absolument incontournable. C'est difficile de faire des études de droit sans entendre au moins d'une fois parler de Carl Schmitt. Et en même temps, c'est un nazi
enfin, en tout cas, un membre du parti nazi qui s'est éloigné, parce que lui était catholique, donc il y avait des choses qui lui déplaisaient. Il s'est éloigné assez rapidement, il s'est éloigné dès. Dans les carrières au pouvoir en 33, je crois qu'il s'éloigne dès 35-37, dans ces eaux-là, assez rapidement. Bon, Heidegger aussi, c'est un peu les Céline de la philo, tu vois, c'est le type totalement incontournable, c'est l'une des grandes influences de Jean-Paul Sartre. Et à côté de ça, lui, alors lui par contre, a été jusqu'au cou dans la combine, tout en étant l'amant de Hannah Arendt. Comme quoi, on n'est pas une contradiction près. Ah oui, je crois que Ernst Junger, l'une des raisons qui s'est fait qu'il s'est éloigné de ça, c'est que sa femme était juive aussi. Voilà. Alors, les nazis n'osaient pas y toucher pour le côté grand écrivain, plus prestige, guerre de 14, officier, tout ça, mais femme juive, donc bon, c'était un moment où il fallait être discret, tout en ayant la carte, non mais tu sais à qui tu parles. Voilà. C'est peut-être plus influent. Tu sais comment est-ce que la victoire de Samothrace et un certain nombre d'œuvres du Louvre ont été sauvées du pillage nazi? Elles ont été volées par la SNCF, tu connais dans ce genre-là? Non. Elles ont été amenées à Valençay, donc dans le château de Talleyrand. Et en fait, le descendant de la duchesse de Dinant, il était encore. Ah. C'était toujours la même chose. Et en fait, il a fait jouer ses titres, puisque la duchesse de Dinant, la nièce de préférée de Talleyrand, qui était à l'origine une princesse lituanienne. Mmh. À l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, mais voilà. Balte, avait des titres de noblesse prussiens. Oui, ah oui, qu'elle avait transmis à ses descendants. Et donc, ce descendant a fait jouer ses titres de noblesse prussiens pour faire que, pour en gros dire, vous n'allez pas fouiller ma maison, enfin mon château, je suis prussien. Je ne sais pas comment c'est passé, mais c'est passé. Ça a dû passer. Alors, on va faire une parenthèse. Et ce qu'il faut voir, alors, par rapport au régime nazi, c'est que c'est un polyarchisme. Ce n'est pas du tout l'idée qu'on a d'un État ultra structuré, ultra performant. C'est 50 000 agences qui se font concurrence les unes les autres. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a le bureau Rosenberg et la Nénerbe en archéologie. Ces deux agences, ils sont concurrentes. Il y a une énorme capacité à avoir des passe-droits durant tout le régime nazi. C'est comme ça, par exemple, que Django Reinhardt a échappé au camp. Parce qu'il y avait un officier de la Wehrmacht qui aimait bien le jazz et qui l'a reconnu. Et qui lui a dit non, celui-là, vous ne l'embarquez pas. C'est comme ça que. Les services secrets allemands. L'Abwehr. L'Abwehr de l'amiral Canaris. Recrute en 39. Un diplomate commercial noble serbe, de mémoire, qui deviendra le modèle de James Bond. Puisqu'en fait, ils vont l'envoyer, alors, après un certain nombre de trucs, ils vont l'envoyer en fait en Angleterre. Il va devenir agent double. Mais en fait, il avait été recruté dans ce but par une personne qui était déjà un agent double, d'une certaine manière, même si les Anglais n'étaient pas au courant, qui travaillait dans la verre de l'amiral Canaris. Le truc, c'est que le régime nazi, c'est le bordel, c'est vraiment une polyarchie. Donc, il y a plusieurs commandements, et on le voit notamment à travers un truc tout simple, le fait qu'il y ait des tendances au sein du parti nazi. C'est pas quelque chose de structuré comme le bolchevisme. Il y a des tendances, mais et surtout, ça n'a jamais été aussi marqué que ça ne l'a été dans le fascisme italien ou le nazi allemand. Oui. Alors, juste pour finir, voilà, les conséquences. L'héritage conservatif est plutôt intellectuel. Donc, Heidegger, Schmitt, Spengler, Werner Zombart en économie, qui a été... qui a été une des influences de Max Weber.
Parce qu'en fait, Max Weber, qui ne dit pas de conneries, Max Weber travaille sur l'esprit du protestantisme et puis la question du capitalisme. Oui. Et Werner Zambart, lui, doit faire son travail un peu avant, mais du coup, c'est sur les relations entre capitalisme et judaïsme. Enfin, Max Weber, c'est fin 19e. Il y a une relation entre les deux. Il y a une relation entre les deux, entre Weber et Zambart, dans le sens où l'un fait l'influence du protestantisme sur le capitalisme et l'autre fait l'influence du judaïsme sur le capitalisme. L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Oui, voilà. Le bouquin de Weber. D'ailleurs, le bouquin de Zambart a été plagié par Jacques Attali. Les Juifs, le monde et l'argent, le livre de Jacques Attali, c'est un plagiat de Werner Zambart. Zambart, il dit que c'est pas bien et Attali, il dit que c'est bien, mais c'est la même chose. Ce qui change, c'est juste le jugement de valeur. Mais en dehors du jugement de valeur, c'est la même thèse. Oui. Donc, les deux tendances qui ont le plus d'influence maintenant au niveau politique, politicienne. Mm-hmm. Ce que je dis, donc, on passe du lieu à un héritage plutôt intellectuel. Et maintenant, il n'y a plus grand chose qui est sur la. Il n'y a plus grand monde en Allemagne qui est sur l'idée de la renaissance de l'Empire wilhelminien. C'est une idée qui est morte. Donc, ce qui par contre a beaucoup d'influence, c'est la tendance Völkische, par contre, qui est très présente dans beaucoup de mouvements néo-païens, donc plutôt les mouvements néo-païens racialisants, nationalistes, avec cette dimension nationalisme européenne, européen entendu au sens de blanc. Hein. Bon, les expressions que tu vas avoir, c'est l'Europe de Reykjavik à Vladivostok, l'Euro-Sibérie avec l'île de Guillaume Fay, l'Europe au son drapeau de Jean Vadir. Toutes ces choses-là, on le voit par exemple avec un mouvement qui existe, qui est encore très actif, c'est Terre et Peuple. Terre et Peuple, donc, qui est le mouvement de Pierre Vial. Pierre Vial, qui est un ancien du Grèce, qui ne s'est pas fâché avec Alain de Benoît, mais qui est. Ils sont séparés intellectuellement. Dans le sens où Pierre Vial a envie de garder justement le thème du paganisme et le thème de l'ethno-différentialisme. Là où Alain de Benoît a abandonné ces thèmes-là. Il parlait quasiment plus de paganisme. Et l'ethno-différentialisme, il en parle même quasiment sur le côté tiers-mondiste. Mmh. En tout cas, ça structure une partie de la droite nationaliste européenne et européenne, nord-américaine, et enfin, en gros, partout, il y a des personnes de descendance européenne. Donc, Amérique du Nord, Argentine, Australie, Nouvelle-Zélande, tu vas voir les sur ce genre-là. Ça a aussi une influence très présente dans toute la scène black metal. Il y a des implications culturelles aussi, c'est des mouvements où les artistes sont très présents. Du coup, ça va avoir une influence sur le black metal, sur une grosse partie du metal, en fait, qui sans être forcément d'extrême droite, aime bien les thèmes néo-païens. Mmh. Oui, tout à fait. Le néo-paganisme. Restant l'un des thèmes de prédilection dans plusieurs d'ailleurs tendances du métal, pas que dans le black, mais aussi dans les heavy, dans le power, dans le death, moins dans le trash. C'est des choses qui reviennent. Dans le death mellow, par exemple, Amon Amarth, pas forcément dans le death plus classique, mais dans le death mellow, Amon Amarth, bon, c'est un groupe qui cultive un peu l'image néo-païenne viking. Cornavois et compagnie. La dernière tendance qui est sans doute celle qui a le plus d'influence politique à l'heure contemporaine,
c'est les nationaux révolutionnaires et les nationaux bolcheviques. Pas forcément le nationalisme soviétique, parce que bon, bah, la guerre du 14, enfin, sûrement la guerre du 14 étant mort depuis un petit moment, le dernier poilu, il doit être mort. Oui, le dernier poilu. On est 100 ans après quand même. Les bêtes avaient au minimum 15 ans en rentrant. Les plus jeunes qui sont rentrés dans l'armée avaient 15 ans à ce moment-là. Avec 15 ans en 14. 15 ans, non, mais 15 ans en 17-18 à la rigueur. À la fin, ils embarquaient n'importe qui. Hein. Donc les mecs ont au moins 115, au moins 115, 116 ans, donc bon, ils ne doivent pas en rester beaucoup. Par contre, mais c'est les nationales révolutionnaires, une tendance nationale bolchevique. Tu as eu un parti national bolchevique, c'est le parti de Limonov. Édouard Limonov, écrivain qui est connu en France parce que Emmanuel Carrère d'Encausse lui a consacré une biographie, et qui a été très proche, même s'ils se sont séparés, depuis de quelqu'un dont j'ai déjà parlé, mais qui est Alexandre Douguine, donc qui est le père de l'eurasisme. Alors, déjà dit qu'il y avait un tropisme vers l'Est des nationalistes, de la révolution conservatrice, avec notamment chez les nationaux bolcheviques l'idée d'une alliance Allemagne, Russie, Turquie kémaliste à l'époque, voire Chine du Kuomintang. Et ils n'ont pas trop mal accueilli l'arrivée de Mao au pouvoir non plus. Donc c'est l'idée de l'union des peuples des steppes. On n'est pas dans le touranisme des croix fléchées. Le touranisme, c'est l'union des peuples touraniques, magyars et mongols. C'est une théorie qui a existé, hein. Ouais. Qui est encore emprunté par le parti Jobbik en Hongrie et un peu par les Ougris en Turquie. C'est très minoritaire. Mais donc, ça existe encore, les mouvements nationaux révolutionnaires. Il y a des gens, par exemple, Christian Boucher, qui a été un cadre, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne plusieurs fois, qui a été un cadre du Front National en Loire-Atlantique. Lui vient du nationalisme révolutionnaire. François Duprat, qui est un des fondateurs du Front National, donc on est dans les années 70, autour de Ordre Nouveau. C'est un nationaliste révolutionnaire, c'est quelque chose qui a eu énormément d'influence sur Dominique Vénère, sur la naissance du Grès, de la Nouvelle Droite, de manière plus générale, sur Lajos Martone. Lajos Martone, c'était un des types qui avait participé à la tentative d'assassinat du petit Clamart, qui était un Hongrois, qui avait été agent double bolchevique CIA, puis qui s'est retourné contre les deux. Il a été deux fois condamné à mort, une fois par le régime communiste. Une fois par les communistes en Hongrie, et une fois par le régime gaulliste. Et par les Américains, hein? Non, il s'en foutait. Il avait utilisé comme taupe au sein de l'armée hongroise, puis il avait exfiltré, puis il avait rejoint les BOAS en France. Oui. Voilà, et puis c'est quelque chose qui est marquant, donc qu'on va retrouver que j'ai déjà cité, donc Robert Dain, Jean Mabille, Jean Thiriard, toute cette nébuleuse nationaliste révolutionnaire, nationaliste européenne, européenne. Dès qu'on parle de ça, essentiellement nationalisme européen, nationalisme révolutionnaire, eurosocialisme et europaganisme, on arrive chez des gens qui ont lu au moins un peu de la révolution conservatrice allemande. Et je crois qu'on peut conclure, sauf si tu as quelque chose à rajouter. Non, tout à fait. On a réussi à faire moins d'une heure et demie, ce qui me surprend. On n'était pas censé faire les deux épisodes de la journée en une heure. Si ça t'embête pas, on va prolonger la discussion. Non, on fait une pause. Oui, de toute façon, on va faire une pause, hein, parce qu'on passera sur une deuxième vidéo donc après. Qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir. Peut-être des petites annonces. Donc là, on va faire donc une deuxième vidéo sur les présidentielles françaises, sur l'histoire des présidentielles. On avait potentiellement en projet une autre vidéo, peut-être plus détente, entre guillemets, sur
les présidents qui n'ont pas été élus. Voilà, sur ces personnes qui n'ont pas été élues présidents. Donc toutes ces personnes qui ont appris à vivre sans leur prostate. Quoi ? Vous comprendrez, je vous expliquerai pourquoi lors de la vidéo. Et il y a toujours un autre serpent de mer de la chaîne. Ouais, le ketchup. C'est ça. Là, pareil, vous comprendrez pourquoi c'est un serpent de mer de la chaîne le jour où on le fera. En tout cas, je suis content. Ça, c'est fait. ce qui est bien, c'est que du coup, vous pouvez revoir les épisodes que j'ai fait sur le nationalisme français. Il y a des liens. J'ai cité le cercle Proudhon, il est dans la première vidéo. J'ai cité le Grèce, il est dans la deuxième vidéo. D'ailleurs, c'est les vidéos qui ont le plus marché sur la chaîne. Alors c'est pas du tout des sujets d'actualité. Oui, mais c'est parce que je crois qu'ils ont été. Je crois que c'est aussi tu les fais au moment où on fait les. On a un. Elles ont un peu été partagées aussi. Oui, mais je crois que c'est parce que le. Je crois que c'est parce qu'en fait, à ce moment-là, on fait une. On fait l'interview de. Ça doit être la période où il y a les grèves par rapport à la loi travail. Justement, ça aurait été plus les statuts de la loi travail qui ont dû fonctionner. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, c'est à l'époque où je vais voir les personnes de Bordeaux 3, les personnes de Bordeaux 3 qui mettent en accusation l'action française. Ah oui. Et donc, ben, je. Je donne, ben, je donne un, en fait, je donne un droit de réponse à l'action française. Et les personnes de l'action française, en fait, vont repartager. J'avais partagé la vidéo. Voilà, ces vidéos-là. Et donc, les vidéos sur le nationalisme. Ouais. Bref, la petite tambouille interne. Ouais. Alors, si on peut peut-être juste faire un mot de remerciement. Oui. Parce que quand même, on a été nommé dans les 100 chaînes. 70e chaîne de vulgarisation juridique francophone. Et politique. Juridique et politique. Alors, très franchement, on ne s'y attendait pas. Alors, moi, quand j'ai ouvert le truc, j'ai lu le truc, j'étais là. Il y a un moment, je suis tombé sur le lot, j'ai fait non, sans déconner. Après, on est sur un créneau où il n'y a pas forcément grand monde. Tu veux dire en abonné? Non, il n'y a pas forcément beaucoup de chaînes non plus. Oui, c'est vrai. Pardon. Excusez-moi. Si on est sur un créneau où, bon, la vulgarisation juridique, et surtout qu'on ne parle pas de politique, on ne donne pas nos idées. On parle d'idées politiques. Oui, non, tout à fait. Oui, on essaye d'être relativement neutre. Oui, quand même si je pense qu'on peut faire un sondage, je pense que j'arrive à peu près à trouver notre positionnement politique à tous les deux. Il faudra faire un sondage, on verra ce que les gens répondent. Bah, de toute façon, tu es beaucoup plus à gauche que moi. c'est une très très vieille blague entre nous que peu de monde peut comprendre. Exactement. Bon, trêve de plaisanterie. On vous retrouve très bientôt. On va faire une pause. Exactement. Ouais, je vais revoir.